Je veux que 20 000 Syriens rejoignent notre patrie, le Venezuela, pour partager cette terre de paix, de Christ, de Bolivar, pour aider au développement du pays. D'après l'ONU, près de 20 000 Colombiens ont dû migrer vers le Venezuela ces trois dernières semaines en raison de la crise qui sévit entre les deux pays. Une frontière de plus de 2200 km, zone d'une intense contrebande. Le 19 août dernier, le président vénézuélien Nicolas Maduro a fermé une partie de la frontière et décrété l'état d'exception. Plus de 18 000 personnes ont rejoint leur pays d'origine de crainte d'être expulsées. La majorité des migrants ont trouvé refuge à Cúcuta, au nord de la Colombie. Il y a une dizaine de jours, la crise s'est encore aggravée. Les deux pays ont rappelé leurs ambassadeurs respectifs sur fond de dénonciation des violations des droits de l'homme. Dans la nuit de lundi à mardi, les autorités du Venezuela ont encore fermé un poste frontière.